Arrête de casser ma maison ou je vais gommer ta famille. Et y'a plus petit pote, c'est après coup, nouvelle vidéo sur Clash Royale les gars. Aujourd'hui nouvelle vidéo pour nouvelle vidéo en gros. Road to top 1000 les gars, alors là je vais pas rush parce que je viens de terminer de rush, ça fait genre 1000 ans que je suis en train de rush, mon cerveau est dans le crâne et j'ai réussi à monter là où je voulais, top 1800, top 60 monde approximativement. Avant que la vidéo commence les gars, n'hésite pas à s'abonner, ça me soutient énormément et vraiment c'est important. Donc n'hésitez pas à vous abonner, lâchez le petit pouce bleu aussi et voilà, pour ça fait plaisir, ça fait référencement tout ça. Et mettre un petit commentaire les gars si vous voulez que je vous fasse une vidéo tuto sur le deck que vous voulez, donc dites-moi des decks et je vous ferai un tuto dessus. Et puis voilà, donc on va se regarder 4-5 replays que j'ai fait. Alors, déjà, je pense qu'on va commencer par un petit replay. C'est lui. Alors lui, en gros, j'ai perdu, mais il a un excellent profil. Et en gros, c'est un joueur pro, lui, de base. Je sais pas si vous le connaissez, il est souvent dans le top 1 monde et tout. Du coup, on va se regarder la game tranquillement. Et on va essayer de décortiquer pourquoi j'ai perdu. Le mec a extrêmement bien joué, hein, honnêtement. Le mec a très très bien joué. Donc là, moi je sais pas ce qu'il joue, et regardez ce qu'il y a à faire, en fait c'est pas compliqué, je vais mettre Bully sur map, et j'ai pas mon Dark Prince en main de départ, donc je vais avancer un petit peu, je sais pas, ouais, ok, voilà, ça, je vais Bully sur map, et du coup il met ça au pont, je suis en mode d'accord, donc là je laisse gratter encore un petit coup, et là j'ai tenté un truc, mais j'étais pas sûr que ça allait marcher, c'était en gros de faire ça, et que le squelette géant, il tape de plus loin en fait, et du coup la bombe ne touche pas, mais la bombe a malheureusement connecté. Et là, j'étais dans mode, c'est pas ouf, c'est pas incroyable, tu vois. Du coup, parce que je fais, c'est là, je me cimetière, et je sais pas ce qu'il jouait, moi, j'étais en mode, il jouait un deck bizarre, tu vois. Donc là, il a mes squelettes, mon boulis, malheureusement, qui tape pas, et là, ça me met dans la sauce, parce que si mon boulis tapait, c'était game. Je vous le dis, les gars, si mon boulis tapait, c'était game. Donc là, je commence à râler, putain, mon D2, il branle quoi, tu vois, genre, il se barre avec les squelettes, alors qu'il pourrait toucher le sorcier, tu vois. Et là, ouais, tout à l'heure, je vais pas défendre ça rien, je sais que j'ai perdu ma tour. Du coup, j'assume de perdre ma tour. Mais je sais que je peux la remonter parce qu'il y a les cimetières, faut savoir que tout est remontable, hein, absolument tout est remontable. Donc je me suis dit, en vrai, il y a moyen de la remonter. Gopalef, FF, il joue un deck bizarre. Il a pas l'air d'avoir grand chose pour mon cimetière. Il y a moyen de la remonter, tu vois. Et du coup, là, je vais essayer de la remonter. Là, il met sorcier et je pensais qu'il avait plus beaucoup d'Elex. Du coup, je pense en Dark Prince en map pour cycler de base. Et là, il a fait un move qui m'a beaucoup surpris. C'est qu'il va mettre un squelette géant au pont, genre littéralement. Il l'a mis au pont, du coup moi j'ai posé deux de fond de map pour un même moment, je te casse les couilles, tu vois, un peu. Mais c'est pas grave. Et là, bon, je sais pas s'il me rend non plus, hein. Là il met l'armée squelettomie, du coup je défends forcément comme ça. Et là la bombe elle touche pas, donc ça va. Rien de trop dramatique. Et là je pensais que le D2 allait pas avancer, du coup j'aurais pu agir un bon cimetière. Mais bon, je décide quand même de cimetière. Et là, c'est là où je suis en mode, ok, là je peux la remonter parce que regardez les dégâts que je vais mettre qui vont être phénoménaux. J'ai mis 20 dégâts, surtout simplement je l'ai détruit là. Là, 800 HP, c'est quasiment sûr que je l'ai, tu vois. Là, je savais qu'il allait tenter un push de merde. En fait, je pensais qu'il allait mettre son cochon, mais il l'a pas fait. Et là, je suis en mode, putain, fais chier ma tour du roi. Et bah, forcément, je défends. Logique. Là, mon boulis qui fait le taf. Hein. Regardez le boulis qui défend bien. Là, on défend tour du roi. Du coup, là, je vais tenter le cimetière. Mais à gauche, alors pour là je vais mettre évidemment attendre l'exercice x2, hein. Enfin le bébé vraiment veut dire. Là je cimetière, c'est qu'il faille freiner ma tour. Là il a fait de la merde, c'est qu'il a voulu défendre en fait. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il a branlé, il a voulu défendre. Juste en mode bah tant mieux, tu vois, il a une boule de feu dans le vent, ça me va. Et là bah grosse erreur de ma part. Bah c'est tout simplement la tornade que je vais mettre qui va être éclatée au sol. Puisque j'aurais défendu un petit peu, j'aurais assume peut-être un coup de cochon en plus, mais j'avais pas pris les dégâts de la bombe. Et voilà, je perds sur ça. Malheureusement, c'est une belle game. Le mec, c'est un joueur pro. Hein. Le mec, je vous dis, il a déjà fait quasiment 9k. Il était à 8k 9 entre nos genres. Donc voilà. Là, ouais, regardez un petit peu les matchs que j'ai tapé. Je sais pas taper des matchs faciles. Hein. J'ai pris poison. J'ai repris un poison. Lui, d'ailleurs, je sais pas ce qu'ils vont aller là, mais il avait un bon profil pourtant. La deuxième game que je voudrais qu'on regarde. C'est contre lui. Parce que lui, je vous jure, c'est punback. Il a joué comme un bouffon, il a fait me gagner. Hein. Regardez le premier push qu'il va faire. Genre, vraiment, il attend même pas d'avoir 10 élixirs, je crois. Il me semble. Ouais, il attend même pas d'avoir 10 élixirs, il met ça au pont.
Là j'avais pas l'abonnement de départ, tu vois, c'est à cause du genre de joueur que j'arrive à perdre parce que j'ai pas l'abonnement de départ, tu vois. Là ça va, j'avais Tornado Wiz et j'ai le dragon derrière. Donc ça allait, mais imaginez, j'avais rien de tout ça, j'avais ces trois dernières cartes en main de... En last card. J'aurais dû sacrifier Bullis plus Dark Prince et encore... ça m'aurait mis masse dégâts. Donc là, moi là j'ai contre Alexia, c'est vrai qu'on était sain, du coup j'ai pas cimetière. Et ouais, la game qui va être tendue malgré son deck, hein. Après là je joue comme un gros bouffon donc ça m'a bien bait. Et son géant, j'ai un D2 pour le gérer, mais je l'ai utilisé bêtement mon D2 parce que bah là je savais pas qu'il allait géant encore. Tu vois, moi à ce moment là je pensais que c'était du mortier. C'est pour ça que j'ai gardé mon Bullis à tout prix et mon Dark Prince parce que je pensais que c'était du mortier parce que normalement ça y ressemble beaucoup, tu vois. J'ai mal géant, j'étais en mode ah fais chier, j'ai plus mon D2. Du coup c'est pas grave, là je vois qu'il met 10 dans le vent. Je me dis ok, bah je boule, c'est tranquille. Là je sais que je suis à plus 2 environ. En fait je suis à plus 1, ouais. Le temps que je mette mon Bullis et mon Dark Prince, il a récupéré un Elixir. Et là il va faire le truc le plus what the fuck que j'ai jamais vu, mec. Regarde. Là il va mineur, ok. Du coup moi bah logique, je tornade, tu vois. J'allais tuer la sorcière. Et là il roquette. Du coup là je sans voir comment j'ai pu perdre là. Enfin comment j'ai pas pu prendre la tour. Donc là il met un squelette, logique. Oh, en fait il a déjà mal récupéré en fait, ça va. Là je mets Dark Prince et moi je pensais que là il était à genre 2 là. Là pour moi il était à 2. Là j'ai dit cimetière, tranquille. Bon en fait il était vraiment tout pile, ok. Du coup là je commence à râler, tu vois. C'est là, faut savoir que ça faisait genre facilement 2h, 3h que je rush. Du coup là j'étais en mode vas-y un peu casse les couilles, tu vois, genre vas-y ça me saoule le jeu parce que le mec il joue comme un bouffon et je peux pas le punir, tu vois. Du coup bah ce que je fais c'est que j'attends patiemment. Là Bullis, là il fait la même encore une fois, il fait exactement la même qu'avant. Faut l'interdire ce gars, ça vraiment faut l'interdire, hein. Lui il faut pas lui laisser Clash Royale entre les mains, hein, sinon il fait des choses dingues, hein. Le mec géant roquette, bon voilà quoi. Ouais je commence à vraiment râler parce que vas-y il spam. Je te demande vas-y il casse les couilles sur un des squelettes. Et là là il va faire une erreur, c'est que la mousquetaire à droite, et là du coup ce que je vais faire. Simplement bah logiquement cimetière. Et là je mets la pire tornade de tous les temps parce qu'en fait il a roquette en même temps. Du coup ça va, je gratte. Je gratte plutôt pas mal, c'est plutôt pas, c'est pas dégueulasse. C'est pas dégueulasse. Du coup là je sais qu'il allait jouer géant. Je m'a surpris qu'il les mette au pont. Et je te dis vas-y il met l'ordre de gargouille au pont, du coup forcément je gèle. J'ai pas trop le choix de gel, hein, je vous avoue. Là si je gèle pas c'était game, hein. Du coup là j'étais en Ibis forcément. J'aurais pu bébé dragon je pense. Je pense que j'aurais dû bébé dragon. Bon c'est pas grave. Ok donc là forcément il gère les Wiz, normal. Puisque là tout rien de normal. Et là il a fait une grosse erreur. Bah, une grosse erreur c'est que là il a voulu la roquette. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il a branlé, il a voulu roquette. Et là je te mode bah c'est fini pour lui, c'est impossible qu'il défende. Là je savais qu'il avait la horde, bah logique je gèle. Et là bah là Dark Prince c'est un HP ça punit. On va aller prendre la win sur ça. Là forcément je mets 2-3 émotes parce que vas-y ça me casse les couilles, genre vraiment les mecs spam comme des bouffons et je perds, genre ça m'en fout. Après j'ai affronté qu'est-ce que je vais montrer, Lockbait non je vais vous le montrer même si j'ai un mauvais matchup. Lui il a extrêmement bien joué, il a un gros profil sa mère, hein. Vraiment il a un gros profil. Le mec il a 8K de record, donc gros profil sa mère et je l'ai quand même gagné. Le matchup est pas forcément si évident que ça parce que le mec il a extrêmement bien joué, c'est son archimagique, j'ai rien pour le gérer. C'est insupportable. J'ai même mis d'arche magique. En fait, il a fait une gagnée grâce aux arches magiques. Déjà, grosse erreur, il met mineur là. Du coup, bah, forcément, j'ai tiré tour du roi. Ça va. Là, j'étais en mode deux possibilités. Soit c'est mollo. Quand j'ai vu la bûche, j'étais en mode. Soit c'est mineur sapeur. Soit c'est genre une connerie, genre MK bait ou une connerie dans le genre. Tu vois, j'ai un double prince ou une bait dans le genre. Là, je vois le kill, j'étais en mode. Ok, c'est du mineur sapeur, très bien. Du coup, là, je bouliste. Tranquillement, là, le but avec le cimetière c'est tempo, hein. C'est vraiment temporiser un maximum. On tempo. Archer magique au pont, forcément là je panique, je mets ça c'est électrique. Enfin, je panique, c'était plutôt mal, mais ça c'est électrique. Et là il met tourbon comme ça, juste en mode ok. Il a quoi pour gérer mes. Mon dragon de l'enfer. Du coup, j'étais en mode. Je sais qu'il a des gobelins lance, je sais qu'il avait forcément un gobelin lance. Du coup, là j'essaie de partir dans le cimetière, mais du coup, soit il gobelin lance, soit il valkyrie, soit il défend le cimetière, soit il défend. Et voilà. Du coup là ce que je fais c'est que logiquement bah D2 il connecte. Et là le temps qu'il met cette tornade, bah simplement j'ai mis la tour à 600 HP. Et ça ça m'a mis trop bien. Je vous jure ça m'a mis trop bien. J'étais en mode ok c'est free win. Et enfin ça m'a mis trop bien et pas trop bien en même temps parce que vous allez voir.
En gros, là, j'étais en mode pour moi, dans ma tête, c'était en mode Free Win. Là, j'étais en mode qu'est-ce qui branle aussi, tu vois, la tour elle est full life. Bon, tu vois, voilà quoi, pas ouf son move d'archéologique là. Et là, en plus, il donne des vols du gobelin encore. Et là, mec, je retourne sur un spiel, j'étais en mode c'est Free Win, je ne peux plus perdre, c'est fini, on a gagné. Ou là, j'ai gagné. Sachant que là, c'était une game à plus 33, donc j'étais assez content de la gagner, je vous avoue. Donc là, ouais, bon, j'espère bouler son map. Logique qui mineur sa peur. Et là, J8, normal, jusqu'à tout, rien d'anormal. Là, on prend pas de coups, c'est la tour du roi activée. Et encore roquette activée, parce que là, c'était une lose. Mais assuré si j'avais pas la tour du roi activée. De toute façon, j'aurais été au bout d'un moment la tornade. Voilà. Donc là, je redé deux. Et là, je me dis, il faut que je prenne la tour. J'ai pas le choix, il faut que je prenne la tour. Donc là, j'essaie de mettre une toto. Et là, ce qui va se passer, c'est que son archmilite ne peut pas mourir. Il a décidé de pas mourir en fait. Là, je vais mettre un excellent gel. Gel vraiment dernier temps, mais le bullis, il a décidé de faire à sa manière. Du coup, j'ai pris une cause sapeur. Et là, j'ai fait une erreur. C'est que je voulais à tout prix défendre ma tour alors qu'il y a 30 secondes. Et genre, vraiment, je voulais à tout prix la défendre alors que je savais très bien que j'allais pas pouvoir défendre. Genre, là, ok, pour l'instant, ça va. Je mets une belle tornade, délai à l'archi magique. Et quel bouffon, j'ai pas pris shot. Je savais qu'elle avait un archi magique, mais j'ai pas pris shot. Du coup là je bouillis, mais c'est trop tard. On va prendre les deux coups d'archi magique. Et du coup là je cimetière, logique. Voilà, donc le mec il défend bien, hein. Vous voyez, le mec est plutôt propre hein, dans ses défenses. Là logique, il tornade, bon il prend des dégâts, il a pas trop le choix. Bon bouillis qui fait une grosse value dans la game, parce qu'il est chiant à gérer, et il met des coups sur la tour. Donc là je me doutais, et là vous allez voir ce qui va se passer. C'est qu'il va reprendre le dessus. Attends, faudrait que je regarde d'ailleurs comment il a pris le dessus, parce que vraiment ça m'a surpris. Il a full spam au bout d'un moment, vous allez voir de toute façon le replay. Genre, il a, mais c'est plus full spam qu'il a fait, genre. Non, c'est pas maintenant. Ah oui, non, c'est, je sais pourquoi il a full spam. Vous allez voir, en gros là, je vais faire un move de génie. Et je vais. Hop, là je vais cimetière et je vais le mettre super mal, regardez. Là je cimetière, là je bouillisse parce que je sais qu'il y a les gobelins détruits derrière, donc ça c'est Vayu. Et là je mets le gel, un bon gel, tu vois. Et là les gars, il va rester 200 HP sur la tour. Je vous l'annonce, il va rester 200 HP sur la tour. Et 150 HP même. J'étais en mode, là, il faut que je défende comme un porc. Et là, attendez, c'est là je comprends pas comment il m'a autant remonté. Là j'ai paniqué, j'ai mis un sauce électrique complètement éclaté au sol. Je vais pas faire ça. Ok, ouais, il continue à ça. Ok, ah oui, il a tout en zéro, ok, c'était... Ok, du coup, là, je suis obligé de gel. Et là, regardez les dégâts que je prends, genre, vraiment. Et je prends masse de dégâts sur le tour du roi, à la tour. Là, il continue à spam. Et ma mineur, il ramène des sapeurs. Même si j'ai un Dark Prince, il ramène des sapeurs. Et là, voilà, forcément, ça, on arrive, bouliste. Je mets cimetière. Quand ils mettent, je gèle. Et là... je t'en mode putain, mais attends, mais ça va pas passer, hein, c'est gobelin, il défend les tout, du coup je t'emmène et là on va les prendre un minute sur ça. Bon là j'ai une petite image parce que j'étais vraiment content, vraiment là faut savoir que ça fait vraiment 3 heures que j'étais en train de rush, mon crâne est en train de péter un plomb, genre vraiment j'avais envie de tout casser. Ok, et là ouais, je vais affronter lui c'était un plutôt bon joueur aussi. Alors j'ai pas le match-up, hein. Il faut savoir que j'ai pas le match-up, enfin attends, en fait je sais pas trop si j'ai le match-up, je vous avoue je sais pas si j'ai le match-up. Ça peut rester une game compliquée, donc là de toute façon, je sais qu'au début j'ai masse tempo. C'est là où je vais commencer à jouer à partir de 35 secondes. Là j'ai un petit bullis pour agir à sa cache parce que je sais qu'elle a plus de life. Et là moi là il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que là, je savais que c'était Splash Yard. Je le savais, c'était obligé. Là quand il a sorti la charrette, genre là, normalement il va sortir d'ici peu là. Et dès qu'il a sorti la charrette, j'étais en mode j'ai lose, il a archer poison, je ne passe pas, c'est impossible que je passe, archer poison. C'est noir pour moi. Archer poison, je peux pas passer, c'est pas possible. Et c'est en mode, du coup j'ai prié pour qu'il ait boule de feu et pas poison, parce que normalement la vraie version il y a poison dedans. Et comme il y avait pas mal de mamie, enfin j'ai un mamie et tout, du coup je me suis dit, il y a peut-être une boule de feu, il y a peut-être moyen de moyenner. Et là j'étais en mode, est-ce qu'il a poison ou pas? Et s'il a pas poison, j'avais win. Là du coup cimetière, c'est pour savoir s'il a un poison de base. Et là j'étais en mode, il a pas de poison, c'est gagné. Là je vois le D2, il tourne pas. D2 qui va défoncer le méga chevalier. Le chevalier, je veux dire, et là, regardez. Et là, regardez, les gars. Et là, la grosse erreur de sa part. C'est, là, c'est une win, hein. C'est simplement, là, sur ce move, j'ai win, en fait. C'est pas compliqué, parce que là, j'ai juste over-defend, donc je vais vous la mettre en x2.
Puisque là, en fait, j'ai juste tout simplement over défense. Ouais, j'ai juste over défense, en fait, y'a pas d'autre mot. J'ai juste, ouais, c'était. Enfin, juste pas que je perds une tour. Parce que si j'avais perdu une tour, par contre, j'avais l'os. Donc là, pourquoi je me bullise? Pour détruire sa charrette. Parce que je sais qu'il allait protéger son gobelin. Du coup, là, j'ai détruit la charrette, le gobelin, je suis bien. Là, il y a le cimetière. Là, j'ai paniqué en étant d'être sorcier en pensant qu'il y avait le cimetière. Et là, j'ai pas fait un bon truc. Mais en soi, j'ai pas pris si cher que ça comparé à la merde que j'ai fait. Parce que j'ai fait une sacrée boulette. Hein. Donc là, forcément, j'ai des deux. Là, je bullise le pont. Il cimetière, donc ça, c'est clean. Et là, j'étais en mode let's fucking go. Il me manque une game. Et il faut savoir qu'en fait, il y a des paliers des fois. Genre, je bloque par exemple, il y a deux jours, j'étais bloqué à 6K, ok. J'avais pas passé au-dessus de 6K, j'arrivais pas. J'étais bloqué à 6000, genre 6080, c'était mon maximum, j'arrivais pas à aller au-dessus. Et j'étais bloqué à ce palier. Et du coup, là, on est actuellement 1h du matin. Mais du coup, quand il était 22h, du coup, il y a pas longtemps, j'ai commencé à rush et là, j'ai réussi à débloquer ce palier. Et je suis monté à 7K2, 7240 instantanément, ok. J'ai pas perdu une game. Et ensuite, bon bah là, pendant 2 heures, j'ai fait le yo-yo. Et j'étais bloqué à une game, enfin à 7240. Et j'arrivais pas là-dessus, j'arrivais pas. J'étais à 7246 et tout. J'arrivais pas à aller au-dessus. Et au moment où je gagnais cette game, j'étais en mode, je sais que j'ai free win. Je sais que j'ai win. Et du coup, là, on tombe sur un Molos. Et Molos, les gars, qui dit Molos? Qui dit j'ai un excellent match-up. Et là, les gars, regardez ce qu'il va faire. Le plaisir de tout joueur cimetière gel de voir ce move en fait. Est-ce qu'il le fait maintenant? Ouais. Voilà. De voir ce move. Je vois Molas faire splash, t'as pas j'ai win. Je sais que j'ai win. Peu importe la version qu'il a, je peux pas perdre, c'est pas possible. Je pue la merde si je perds. Non, vraiment. Enfin, sauf si j'ai une rota dégueulasse et qu'il a de la chatte, mais normalement, j'ai trois cartes qui me permettent de pas avoir une rota dégueulasse. Là, il boule de feu. Bon, Tornagel, voilà, on commence à connaître le Massico. Là, j'avais pas trop chaud pour prendre trop de dégâts. Par contre, là, je pensais vraiment d'avoir un désavantage de genre 4 ou 5 là. Alors qu'en fait, le désavantage il est pas si gros que ça. Il a 1,5 de plus, je pense, à peu près. 1, il a 1 de plus. Du coup, j'étais en mode ça va. Là, pour moi, là, il était genre vraiment à genre 4 au-dessus. Mais bon, là, quand j'ai vu qu'il jouait ça, j'étais en mode qu'est-ce qu'il branle. Il va mettre un molosse au pont. Et là, regardez ce qu'il va faire. Il a pété un câble, frérot. Voilà, il m'avait mis la masquette, ça aurait été la merde. Mais du coup, là, je défends tranquillement, logique, hein. Ah ouais, la game c'est. Il a bien joué quand même hein, pour un Molos, parce que il a pas un bon match-up, hein, vraiment pas. Du coup là je unlucky encore une fois. À un moment il pose son bûcheron, j'ai posé mon bully sur le map. Là j'étais un petit peu, je pose bully, c'est pose bûcheron instant. Et là regardez là, j'ai vraiment pas eu de chance sur ce coup là. Le bully se tape et du coup j'active pas le tour du roi. Et j'étais en mode oh casse les couilles, mais en vrai je savais que c'était un Molos donc ça allait, tu vois. Du coup là je suis bien, tranquille, voilà, je m'installe. Là je vais partir agressif parce que je sais qu'il a rien pour défendre mon cimetière. Je sais qu'il est dans un squelette, mais l'arme squelette il va la mettre en défense. Et là le boost qui a fait une value qui va détruire l'arme squelette. Mon but c'était pas de prendre tant de dégâts que ça, c'était surtout de lui faire me remettre dans un bon cycle. Parce que j'avais plus un bon cycle parce que j'ai plus mon D2. Donc fallait que je me mette dans un bon cycle. Du coup bah ça m'allait très bien. Du coup là je pensais avoir mon cimetière, quand j'ai cyclé mon ennemis les gars, si j'ai cyclé c'est parce que je pensais avoir mon cimetière. C'est du coup la game j'ai joué il y a 10 minutes, hein, faut savoir ça. Du coup là, j'ai mon pêche favori, c'est ça, tout simplement en fait. Parce que bah j'ai que ça à jouer. Voilà, tranquillement. Le boulis qui va les mettre deux coups il me semble, si je dis pas de la merde. Là je vais le dragon, je sais que j'ai besoin de tornade parce que le mec, bah il a rien en fait. Et là je savais qu'il avait boule de feu, regardez. Et là je suis un pré-shot, regardez. Je savais qu'il avait boule de feu, c'était obligé. Mais j'ai l'hyper molosse et là les gars hop on pré-shot la tornade. Allez, la tornade que j'ai mettre elle va être magnifique. Voilà, magnifique pour ceux qui ont la ref. Et puis voilà, et là du coup c'est une free win. Et là les gars, vous savez pas à quel point mon taux de joie était élevé. Parce que là en fait pour moi, là c'est vraiment, quand je dis que ça fait 3 heures que je rush, c'était pas de là, ça fait vraiment 3 heures. On va aller regarder si j'ai encore tous les replays, mais c'était si long, bordel, oh bah voilà, c'était si long. Elle avait regardé mon dernier replay, normalement je l'ai joué aujourd'hui. Il y a deux heures et j'étais à 7040, ok, j'avais ce que j'ai dérush aussi entre temps. Tapé deux cimetières gel que j'ai gagné. Regardez un petit peu mes matchups vite fait. Voilà, là joué, bon forcément Arkix je peux rien faire hein. Arkix je peux rien faire. PKM Grishpam c'est pareil, il a full spam. Deux Pansy j'ai un bon matchup. Mola j'ai un bon matchup. PKM Grishpam là j'ai fait de la merde, il m'a surpris que la foule pensait qu'il avait un poison ou une boule de feu. Bon Mola c'est free win. Germami j'ai gagné. En gros le mec ce qui s'est passé c'est tout simplement que il a mis une mani au pont.
pour détruire mon. Ce qui restait, j'avais un peu toutes mes troupes en HP. Il m'a mis au pont. Et du coup, bah, je pars en. J'étais à 9. Moi, il pensait que j'étais à 0. Je 9. Je mets Dark Prince. Dark Prince qui save toutes mes troupes derrière. Donc j'avais genre 2 boulistes en HP. Une sorcière. Enfin, non, un dragon électrique. Un dragon. Un bleu dragon en HP. Et un dragon de l'enfer en HP. Du coup, la mamie elle meurt. Le Dark Prince il prend le focus pour tout le monde. La bûche il venait de la jouer. Et le temps qu'il reste que sa mamie, bah, le cimetière a pris la tour. Quoi changer, j'ai failli perdre parce que heureusement que le mec avait pas de sort. Que tout début, je vais vous montrer vite fait en deux speed parce que ça va prendre deux secondes, mais le mec. Attends. Ouais. En fait, c'est sur. Attends. C'est sur Splash où j'ai pris genre 1 milliard de dégâts parce que là, j'étais en mode ok. Ouais, tornade. Bon, là, je défends pas plus, tu vois. Je me dis, j'assume les dégâts et je pars en cimetière. Et là, comme c'est ça, j'étais en mode ah. Bah, rod tout cuir tour. Et après, bon, j'ai géré la game à la perfection. J'ai pu prendre un dégât en fait, simplement. J'ai à chaque fois full tempo. Après, je me tape double. Ouais, je perds contre lui un HP, je perds. Genre, vraiment, je perds à rien, surtout à mon profil. Ensuite, je me retape un poison. Lui, il a fait de la merde, lui, j'ai soulevé. Bon, lui, je sais pas ce qu'il m'a sorti, mais lui, il était complètement bourré. Ensuite, je vais montrer la game. Ensuite, je me tape une fourreuse que j'ai perdu parce que la reine me fait trop chier. Lui, c'était free win. J'y pouvais rien faire. La mamie, lui je la rage quitte. Genre first play, le mec il met enfin il met Rosquette fond de map, géant au enfin non il met mamie fond de map, pêcheur fond de map, il met géant au pont. J'ai pas la bonne rotation, je perds sur ça. Lockbait double fût, bah j'ai un mauvais matchup, du coup je me fais enculer. Après ça je vous montre la game. Lockbait il a fait de la merde, j'ai réussi à le contrer, ensuite je vous montrerai 3 games et puis voilà. Bon les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, c'était vrai coup, ciao.